Coucou, j'espère que vous allez bien. On démarre un nouveau vlog. On est lundi 14 ou 13, je sais plus. J'ai un problème avec les dates comme d'hab. Je suis contente. J'ai préparé le colis du concours. Je suis contente que c'est Lila D qui a gagné. Je sais qu'elle est très fidèle. Elle me suit, elle commente. Et donc voilà, je l'ai vite préparé. Je vais essayer de déposer très rapidement. Sinon, nous avons fait un tour hier dans, je sais pas si vous connaissez la Croix Blanche au 91, et j'ai trouvé des petits bons plans. J'ai oublié de vlogger parce que je sais pas, ça m'est sorti complètement de la tête. Et du coup, je vais vous montrer. Sinon, en même temps, j'essaie de faire le montage, le linge, hein, cadeau. J'essaie de faire le montage du vlog des dernières semaines. J'ai pas très bien vlogué, du coup j'ai combiné deux vlogs 2 semaines ensemble, comme ça c'est plus intéressant. Et puis voilà, donc je vous montre. Il est comme ceci, il est un peu moche, on dirait c'est un sac en plastique, on dirait un sac poubelle. J'ai trouvé des offres serviettes. Donc, enfin, c'est des serviettes de bonne qualité. Il y avait un échantillon qui était ouvert, donc j'ai bien vérifié la qualité ici. Donc, c'est deux, je pense, c'est deux, voilà, deux serviettes de main. Ils sont quand même 1 mètre sur 50. Fois 2, c'est à 4 euros, donc 2 euros. Donc j'ai pris les grises et j'ai pris en rose comme ça. Et j'ai trouvé, celle-là, je pense qu'elle est à 5 euros, c'est un serviette de bain. Ah non, ça c'est les deux autres petites en rose. Et ça c'est la serviette de bain, fait 1,40 m sur 70. Donc voilà, j'ai pris ça. Et il y avait aussi, désolé pour le bruit, un drap housse, donc 100% coton, je pense qu'il était à 5 euros. Donc ouais, il y avait pareil, il y avait une qui était ouverte, un drap housse qui était ouvert, et j'ai vérifié la qualité, donc c'est pas mal. Et je pense que c'est tout. Je viens d'avoir le facteur entre-temps pour un colis, on va l'ouvrir ensemble. Mais quand il y a colis reconditionné par la poste, ça me fait peur ça. Sinon, je disais, il n'y avait plus grand-chose. Attendez. Compote d'Adam. Ah, j'ai trouvé ce pinceau. Il y avait pareil un qui était ouvert. Il me semblait bien comme bronzer. Voilà. La marque. Quelle marque? Je connais. Ah, Elitui, je connais. J'ai pris un colon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça c'est pour les chaises, vous savez. Une queue, deux tubes de queue, je pense que c'était à 30 centimes les deux. Donc voilà. Et c'est tout, les amis. Je ramène mon cutter magique et je vous montre ce qu'il y a. On ouvre. Il est léger. Attends, faut pas que je me blesse non plus. What is it? C'est le calendrier de l'Avent de Révolution. Ah, je vais vous montrer ça en vidéo. J'ai pris lui. C'est le seul calendrier que j'ai pris cette année. Et j'ai pris avec, allez, c'est quoi ça? Je trouvais beau ce pinceau, ça je l'ai pris, c'est sûr? Ouais. Et ce highlight. Ah, je suis trop contente, on va filmer ça, let's go! Alors, comme je vous ai dit, l'envers du décor, je viens de finir de vous filmer la vidéo du calendrier de l'Avent Révolution. Normalement, elle est déjà en ligne. Je vais vous la mettre dans le petit i. Ça, c'est des nouveaux colis reçus. Donc, ça, tout ça.
Il y a ma commande Morphy et tout ça, ça va être filmé en une seule vidéo. Je sais pas trop si ça va être cette semaine ou bien la semaine prochaine. Je pense, je sais pas trop. Donc voilà, moi je boucle tout ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mardi et 15 novembre. Pour une fois, je connais la date exacte. Il faut que je vous raconte ça. Désolée, pas trop de lumière. J'ai encore hyper mal à la tête. Voilà, donc je suis partie comme on est. Donc on a pas, il n'y a pas longtemps qu'on a déménagé. Donc on n'a pas de médecin traitant ici. Et donc je suis partie voir un médecin. Déjà, il n'y a pas le médecin. Le médecin de base au nom du cabinet, mais en remplaçant. Bon, ok. Lui dit bonjour. Il me dit qu'est-ce que. Il dit racontez, qu'est-ce que vous avez. Je lui dis bon. Avant de commencer, je voulais vous dire que je souhaite que vous soyez mon médecin. Le cabinet soit mon médecin traitant. Elle me dit désolé, en fait, je remplace Monsieur X parce que. Docteur X, parce qu'il prend sa retraite et le cabinet va fermer. Ok. Est-ce que je peux espérer mieux comme scénario? Donc, je dois rechercher et retrouver un autre médecin et un autre rendez-vous parce que. Nul! Nul de chez nul. Enfin, bref. Mais bon, elle m'a fait la visite. Je comprends pas pourquoi ils prennent de nouveaux patients. Me dit je suis là pour liquider les anciens patients de docteur X parce que le temps qu'il trouve d'autres médecins traitants. Excusez-moi, pourquoi vous prenez des nouveaux patients alors? Enfin bref, grand n'importe quoi. Là, pff, je suis rentrée vite, j'ai même pas pris les médicaments qu'elle m'a prescrits tellement j'étais dégoûtée et qu'il fait très très mauvais temps. Donc voilà. Je viens de prendre, il me reste une gélule de paracétamol, je viens de la prendre. Entre-temps, donc en 1 heure de temps, je reçois 2 livreurs qui n'ont pas réussi à me livrer et un autre colis qui est venu au point relais que je dois aller le chercher. Et voilà, tout ça après être garé et rentré. Donc sympa. Mais je vais pas bouger parce que j'ai tellement mal. Et puis voilà, et je voulais vous dire qu'il y aura pas mal de choses qui vont venir. Donc en fait, il y a un événement New Skin qui est à Toulouse auquel je vais participer. Je ne sais pas si ça va être à la suite. Je vais mettre ça dans le titre en tout cas, ou bien si je fais un vlog dédié. Parce que bien sûr que je vais vlogger, je vais filmer ça. Et en tout cas, je suis trop contente. J'ai commencé ce matin à préparer ma valise. Et j'ai trop contente et je vais rencontrer en vrai ma Jenny. Je suis trop excitée pour cet événement. On va voir les nouveautés New Skin. En tout cas, si vous êtes du coin à Toulouse, il y a donc porte ouverte du showroom l'après-midi du samedi 19. Normalement, ça sera trop tard le jour où je publie le vlog. Je suis bête. Mais bon. En tout cas, à ce niveau du vlog, restez à la fin. Il va y avoir des choses, les amis. Coucou, là je vais faire pour le petit déj, j'ai un petit gâteau yaourt. Rien de plus simple et rapide. Donc vous avez besoin d'un yaourt nature, 3 œufs, un sachet de levure boulangère et un sachet de sucre vanillé. Mais j'ai pas, je vais mettre un peu de fleur d'oranger. C'est pour neutraliser l'odeur des œufs en fait. Donc sur un yaourt nature, vous mettez 2 sucres, 2 pots de sucre et 3 pots de farine. Moi pour mémoriser, c'est toujours le sucre moins que la farine. Donc c'est 2, 3, 3 œufs, un yaourt et un peu plus de la moitié, on va dire 3 quarts d'huile. D'huile végétale. Donc après, mélangez le tout et je vais mettre dans le four. D'ailleurs, il est sympa ce moule, il est à 3 euros de chez Action, franchement, un moule Tefal. Et ça part au four, j'ai déjà réchauffé le
mis le four à préchauffer et puis voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est midi passé. Je suis trop contente, trop contente et excitée pour l'événement de New Skin. Donc demain, je vais aller rejoindre Jenny à Toulouse et on a l'événement privé New Skin samedi. Donc ce matin, j'ai bouclé la valise, reste juste ma trousse de toilette. Et voilà, je suis prête, j'ai fait mes ongles. Voilà, j'ai fait une pose très simple hein, que je vous ai filmée d'ailleurs. Si vous êtes passionné par les ongles, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta mimina-nails. Je poste tout ce que je fais sur les ongles. Et puis voilà, donc là je suis à l'étage, je range un peu les chambres et puis je vais attaquer la cuisine. Oh my gosh, ça me... Cuisiner et la cuisine, ça me panique les amis, j'aime pas faire ça du tout. Donc j'essaie d'éviter ce qui fait ça depuis tout à l'heure, mais je pense que ça y est, c'est l'heure, je dois y aller. J'espère que vous allez bien, on est vendredi 10h20, je pars en route pour rejoindre ma Jenny en Toulouse, donc je suis trop contente. Là je vais prendre le train pour Paris et après je prends un métro pour la gare de Montparnasse et puis voilà mon train vers Toulouse, donc j'ai trop hâte. Du coup j'espère que vous allez bien, on est samedi 19, je suis à Toulouse avec Jenny pour l'événement New Skin, donc on va vous montrer pas mal de choses aujourd'hui, ça va être une journée d'enfer, il y a plein de nouveautés et beaucoup de bonnes choses, donc restez connectés. Allez, je vous présente Jenny dans le vlog. Coucou. Elle fait très sérieuse là. Donc là, on a presque... Il est 16h30. On a presque terminé l'événement. Après, on va aller faire un petit tour en ville. Boire un peu. Et puis le soir, on va se retrouver avec le groupe d'ambassadrices et nos leaders pour un petit resto. Et demain, je reprends mon train pour 6h. 6h, s'il vous plaît. On va dormir. Pour aller faire la Lumi, le galvanique. Le... Donc, oui. Voilà, journée chargée. Information, émotion, tout ça. Et voilà. Et elle est en cours de Skype. T'es filmée. Elle est contente. Je suis pas sûre du score. Elle en prend du collège, non? Tu prends le collagène? Oui. Ouais. Ah, ça va me faire plaisir parce que le taux de scan n'était pas très bon. Ah bon? Comment tu vois? Comme ça. Je suis bleue. 53 000, bravo! C'est bien. C'est le plus haut score de la journée. Non. C'est vrai? C'est très bien. C'est un très bon score. Oui. Très bien. Tu vois, je m'attendais à être là. Elle est contente. Ah bah, parce que j'ai pas... Coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi. Je vous reprends pour clôturer le vlog. Hier, je suis rentrée tard de Toulouse. J'ai pas pu vous dire un petit mot. Donc, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Gros bisous.